Salut à tous, c'est Lim, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve, défi impossible sauf pour la salle. C'est parti, la salle, 3, 2, 1, go. Let's go, let's go. C'est Lim, Ali, Fadi, le chrono est lancé, tu peux y aller. Alors, les gars, c'est le tout nouveau véhicule, c'est la Omadjo. Donc, est-ce que vous connaissez la Omadjo? On la connaît, on la connaît. La Omadjo, Omadjo. C'est un nouveau véhicule et c'est une super sportive. Et normalement, comme vous le savez, elle tient bien la route pour, eh bien, ce genre de course. Alors, la course est notée à 48%, je crois, ou 39% la salle. Donc, pour toi, 39%, normalement, c'est easy. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, 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 bien évidemment. Ah, voilà, donc normalement, c'est du direct. Donc là, tu peux le faire. Alors, let's go. Vas-y discrètement, tel un discretos. Alors, fais gaffe, hein, parce qu'il y a deux transferts d'Aula Ride. Ok, j'étais là, pas de souci. C'est compliqué. Oh, c'est du direct, c'est du premier coup pour le joueur français. Bien joué, la salle. Alors, merci, merci. Mais du coup, Eden et Gat, ils comptent pour du beurre. Alors, Eden et Gat. Bah, attends, moi, j'étais occupé à faire un truc, mais je suis relâché. Moi, j'arrive sur le wall ride. Je pense que Gat et Eden, c'est un défi également pour eux. Tu vois. Mais est-ce qu'ils vont réussir à te suivre? Ça va être compliqué. Mais le titre, c'est la salle et pas Gat et Eden. Voilà. Donc, ils sont là pour tester. Ils sont là pour voir si, justement, tu vois, c'est. Comment te dire? C'est... Nous confirmons voilà. Que. Effectivement, pour confirmer ton niveau, la salle. Pour confirmer que t'as un niveau supérieur à eux. Ou pas, tu vois. C'est un peu le guide Michelin, quoi. C'est nous, genre, c'est. C'est nous, on dit, genre, si c'est bien je ou pas. Je le prends mal. Mais Gat, je pense que Gat, il peut le finir. Après, Gat, est-ce que t'as un bon niveau sur GTA? Est-ce que tu considères aujourd'hui comme un joueur fort de GTA 5? Mais moi, toi, je me considère comme un joueur professionnel. Toi, c'est pas ton métier en plus, parce que t'es de base, tu fais du stand-up, c'est ça? Qui, moi? Bah oui, parce qu'il t'a dit, il a dit Gad. Donc, Gad Elmaleh. Pour tous ceux qui se poseront les questions en commentaire, parce que je suis très très intéressant, je suis médecin, voilà. Ah ouais, oui. J'ai la ref. Alors que le mec, il est juste assistant, tu sais. Je vois, c'est bon. Ok. Discretos, Eden, discretos. Des hommes de goût. Ok, alors. Le joueur français la salle qui pour l'instant se débrouille bien dans cette course. J'ai enlevé mes lunettes, autant dans cette que là, course, cette 100% je vais défi, 100% impossible. Il enchaîne les transferts d'Allride tel un enchaîneur. Bon, après, sache que la salle, cette course, c'est du niveau Weekend Marines in the West. Donc en vrai, de vrai, tu vois le point ou pas? Ouais. Toi, tu commentes la canne ou. Ah ouais. Tu me dis ouais. Ça, je t'ai fait rire. Hein. Bon. tout ça. Bah disons que. On a un match de la canne et non, en vrai de vrai, je pense que la salle easy. C'est du direct chez toi. En vrai. Ça va, Eden, en tant que guide Michelin, s'en sort ou... Oui, je confirme. Alors, hop, 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 hop. Il est chaud, hein. Vraiment, il est chaud. Ça va vite, hein. Waouh. Mais c'est que, Gat, avant boost, YouTube, tu sais c'est quoi, c'était quoi mon métier ou pas? Non. De quoi? Mon métier avant YouTube, tu sais pas ce que c'était? Le boost est fort. Un peu trop fort. Non. T'es quoi? Faut viser avant. J'étais goûteur. Non mais je vais ralentir. T'étais goûteur? Goûteur, oh là là, il fait exprès. Tu goûtais quoi? Bah je goûtais des spécialités. Déjà, est-ce que tu penses qu'à ça tu vas finir cette course? Ah bah, oui. Oh. C'est un peu bizarre. C'est quoi ta spécialité favorite? Ma spécialité favorite bah c'est simple. C'est une spécialité. Mmh. C'est Matt Spé. J'ai remarqué que ce créateur il aime bien nous faire des petits. Oh là là! Des petits planages. Alors sache que la salle t'es exactement à 4 minutes 16 de course. Donc honnêtement, le score est incroyable. T'es vraiment bon. T'es vraiment bon sur le temps là. Donc. Je dirais même qu'on peut même quasiment faire un 10 minutes challenge quoi pour toi la salle. Mais le point derrière, le point derrière, le point derrière, le point derrière. De quoi? Ah tu l'as fini la course Lenin? Ah oui c'est du level. Bah en fait c'est du level medium. Je pense que toi Eden compliqué. Et tu l'as fini genre tu l'as fini où et quand? Parce que. C'est-à-dire moi aussi je peux dire que je l'ai fini et tu vas pas forcément me croire. Moi je l'ai fini moi. Moi je l'ai fini. Je l'ai fini en non pas en live je l'ai fini en test.
Ah oui, parce que je teste forcément toutes mes activités. Ouais, Dan, je t'ai vu décoller. Il l'a fini en test, mais tu sais, moi je l'ai jamais vu jouer hors live, mais bon. Mais moi, bon. Si je joue. Hors live ? Ouais. Bizarre, hein. Bizarre tout ça. Hein. Parce que moi, à chaque fois qu'il y a Pugino, je vois marqué déconnecté depuis 2 heures. Alors, soit si je joue en mode hors ligne, peut-être comme, il a un second contest. À l'époque. Un win test. Mais en vrai de vrai, les gars, non, franchement, je suis bien. Je suis bien. Mais allez, t'es bien, c'est normal que t'es bien, tu commentes. Je suis bien, il a dit. Non, mais j'ai fait un bon score, quoi. J'ai fait un bon score, quoi. T'as fait combien? Le temps que j'ai mis pour finir cette course? Ouais, la première je vous donnerai à la fin, parce que sinon... Bah, il va voir, il va multiplier le score de la salle. C'est ça. Oh là là, vous me croyez pas, vous me faites pas confiance. Moi, perso, là, je veux l'avis de la salle, qui te connaît très 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 bien. La salle, est-ce que tu penses qu'il a déjà fini cette course? C'est possible, mais... Mais t'en doutes. Déjà, t'as très bien vu mon niveau dans la dernière course de la salle. Pourquoi tu veux pas donner le score alors et t'attends que la salle y fasse pour multiplier en x2 son score? Il réfléchit. La preuve de culpabilité. Eh, t'as fait bac S, moi j'ai fait bac M, hein, bac malin. Mais ouais. Non, mais les gars, je vous le dis, je l'ai fini. Croyez-moi ou non. Ou non. Ouais, t'as l'air tellement... Là, je vais te croire. Là. Est-ce qu'on peut demander aux gens dans les commentaires s'ils te croient ou pas? Bah oui. Ok, est-ce que vous croyez Enune ou pas, les gens dans les commentaires? Voilà, c'est dit, on verra s'ils te croient. Et ben on verra. Du coup, on est en live en direct devant 50 millions de personnes. Bonsoir à tous. La salle qui, pour l'instant, est plutôt pas mal. Il a craqué, lui. Moi, je pense qu'il regarde le match du Maroc en même temps. Alors, le Maroc ne joue pas aujourd'hui, Eden. Donc, ça risque d'être compliqué. Je rappelle qu'ils ont fait 1-1 contre le Congo. La salle, t'es à 7 minutes. Donc, ça va. Ouais. Mais je suis tombé là. Regarde, ça n'est même pas allé à la rampe. Hein. Si, j'y suis allé 3 fois. Non. Si, je le jure. 3 moi, fois je suis sur pas... l'échelle de Leicester ou pas? Moi, je mens pas. Moi, je suis pas menteur. Je dis que la vérité. Moi. Oh. Aïe. Zut, flûte brute. Je peux même te dire, Eden, que quand tu vas sur la rampe, il y a un boost. Aïe. Ouais. Regarde. On le voit d'ici ou pas? Ah ouais, on le voit d'ici en fait. Bon, bah, disons que c'est compliqué là, la salle. Hein. Bah, vu que Nune, tu l'as faite, voilà comment je vais t'avoir. Vas-y. Alors, explique-nous, c'est quoi le point final? Vu que de toute façon, on va le voir. Le point final de cette course? Ouais. Ah bah ça je peux pas vous dire. Ah non mais sinon ça va spoiler la salle et après il va le passer easyment, tu vois ce que je veux dire? Il va se mute, il a dit. Déjà je suis à un point où je mets la moto complètement à plat par terre, je passe pas. La moto. Ouais. Bah c'est. Ah parce qu'il y a d'autres. C'est lui level à mi-moto mi. Ah ouais. Parce qu'avec Eden, on a vu qu'un véhicule là pour le moment. Elle est à terre là, non? Elle est qu'une rampe. Bah là. Elle est plus qu'à terre, même, je dirais. Elle gît à terre. Elle gît à terre. Mais tu vas le faire, tu vas le faire là, ça. J'ai confiance en toi. Allez, la salle. Ok, Eden, j'arrive sur la rampe. Bah, il serait peut-être temps. Waouh. Oh, t'as fait n'importe quoi, je t'ai vu. Ouais. Fais des loopings, des trucs, waouh. Ok, j'arrive, je vais faire un transfert de wall ride. Mais c'est moi, je fais n'importe, en fait, le transfert de wall ride. Alors, je sais le faire, c'est moi, je fais n'importe. Mais c'était pour être avec toi, pour pas te laisser tout seul, comme tu vois. Comme tout à l'heure, c'est ça? Exactement. Bah, t'es allez. Un bon. Voilà la salle, tu vois. Bon, allez, je te laisse, par contre, je t'abandonne. Regarde bien, parce que c'est dans la dernière fois que tu me verras. Ah ouais? Ah, c'est la dernière fois que tu me verras, mais réellement. Hein. Ok. OP. Regarde, je viens de lâcher sur la rampe. Là, c'est ok, là, en vrai, t'es pas mal, la salle. Okay. Allez, ciao, gâte ça. Le mec est bon. Je m'en vais, ouais. Moi, je venais juste pour t'aider, hein. Bah, tu m'as vachement aidé, tu m'as rien dit depuis tout à l'heure. Bah, ciao, regarde, tu vas me repasser. Hein. Waouh. Ah oui, là, tu vas meuler, la salle. Bah attends, j'ai Badougombri, ok. Attends, mais t'es vraiment parti, Eden, en fait. Bah oui. Ah ouais. Regarde, je suis passé, hein. Ciao, Gats.
Bah ciao, hein, à plus tard. La salle, tu vas le faire. Je crois en toi. Je pense que tu vas gagner cette course haut la main. Et sache, est-ce que tu veux ton score, la salle? T'es à 9 minutes 59. Il faut faire là, c'est compliqué. Donc les 15 minutes pour l'instant, ça va. Ah bah tiens, Eden, je pensais que j'allais plus te revoir. Le Rotten Une, au deuxième, je comprends pas du tout ce qu'il faut faire. Au quoi? Au deuxième, là, deuxième truc, je sais pas ce qu'il faut faire. C'est du transfert toujours, quoi, en fait. Il faut transférer tout le temps. Après, t'as un peu de planage et tout, mais tu verras que le point de la salle où il parle, ça va être un peu compliqué. Hein. Un peu beaucoup. Hein. Pour vous, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé, toi? Bah... J'ai réussi à faire un transfert, après je suis tombé parce qu'il y en a un deuxième après. Ah bah Gats, t'es plus avec nous. T'as bugué. Ah bon? Ouais. Pourquoi tu m'entends là? Allez la salle. Ah mince, ok d'accord, j'ai compris. Il faut y aller. T'es à 10 minutes 44. Et t'es au point final de cette course. C'est magnifique, c'est effectivement. Incroyable. Alors vas-y doucement. Oh, oh non non non. Ah ouais mais non mais non. Il faut y aller doucement la salle, tu sais très bien dans les trucs là en plus. En plus, il y a un transfert, je l'ai vu après. T'es habitué normalement à ce genre de situation. Mais Eden, tu sais que je te vois toujours rouler et tout, hein. Pour moi, je suis encore avec toi. Il y a un transfert, en plus, tu l'as vu. Donc là, normalement, on t'enchaîne direct. En plus, attends, regarde, t'as respawn, tu me vois pas là? Je suis derrière toi. Non. Ah, et après, il y a quoi? J'ai pas vu. Hein. Où ça, attends? Allez, la salle. 11h18, faut vraiment que tu. Ouais. Tu passes pas là. Regarde, je suis là. Je vais te rentrer dedans. Ok. Attends, je t'ai raté. Alors après, il y a un autre transfert. Je te vois pas. Regarde, je te rends. Ah, il y a un autre transfert après, ok. Ouais. Tu vas me dire là, tu m'as pas vu alors que t'as bougé tout. Non. Menteur, bah. Elle était pas mal. Allez. J'ai rentré dedans, il me dit, je suis pas là. Je rigole, je te vois depuis tout à l'heure, c'est juste que je suis pas passé. Allez, ouais. Ok. Mais il est où le transfert? Ah, bah attends. Mais t'as réussi à entrer. J'avais ralenti, moi. T'as réussi un transfert Eden parce que moi j'ai réussi mais au deuxième j'ai pas réussi. C'est le deuxième aussi, ouais. Fais gaffe. Oh wow, 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 ok. Il y a un autre transfert après. Hein. Ok. Non, mais là ça a fait nimple, là, c'est pas de ma faute. Hein. Moi je pense que t'es en manque de cacahuètes la salle et qu'il faut que t'en reprennes un peu. Ok. De quoi net. De cacouanet. C'est un nouveau concept en fait. Ok. Jusque là ça c'est easy. Moi j'ai une question pour Eden. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que t'es fort au foot, Eden, dans la vraie vie? Bah, bien évidemment. Mm-hmm. Aïe. Wow. Aïe. C'est les cacahuètes au wasabi, ça, là, ça, non? Eden, il est fort dans les buts. Non, je suis... Peut-être, je sais pas, mais... Non, ça va, j'ai déjà joué, c'est vrai que je marque pas... J'ai marqué un but en futsal. Et j'y suis jamais retourné, d'ailleurs, après. Moi, la salle, on m'a dit qu'il y avait du Ronaldinho en toi, c'est vrai ou pas? Ronaldinho? Non, Ronaldo, le vrai hein, R9. Hein. Non, Parce et tu penses quoi à la salle de Rooney? Je te félicite, 13 minutes 28, tu as littéralement battu ce magnifique record et ce challenge de 15 minutes a été fait. On va aller voir les écrans de... T'avais mis combien de temps alors toi? De quoi? T'avais mis combien de temps? Alors moi j'avais mis 21 minutes. Oh comment tu mens. C'est vraiment le roi des menteurs. Nguyen, regarde mon écran, tu vas voir, je vais passer juste parce que tu regardes mon écran. T'as vu la salle comment ils sont jaloux? Non, la salle, il y avait un truc en moto où tu glisses. Ouais. Ok, bon bah il ment alors. Bah non, bah regarde, tu te rappelles dans la course troll que j'ai faite il y a pas longtemps sur ma chaîne? Où oui, fallait mais glisser en moto. T'as pas fait cette course depuis? Bah je l'ai fait après. Moi je crois ah pas. Ah non mais moi je teste abonnés. Toutes mes courses. Si les abonnés sont d'accord, je suis d'accord avec eux. S'ils sont pas d'accord, je suis d'accord. Et bah ils voteront dans les commentaires. Est-ce que selon vous j'ai fait 21 minutes ou pas?